Alors, bonjour Madame Sanko, merci beaucoup de nous recevoir. Pour commencer, on va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Mais bonjour à vous et merci également d'être venu jusqu'au CISTI. Donc, je m'appelle Fatoumata Bernadette Sanko. Je suis enseignante au CISTI. Je suis journaliste de formation. Et maintenant, j'enseigne ici la sociologie du journalisme, mais en plus tout ce qui est genre et médias, comme femmes dans les médias. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication également. Je travaille beaucoup avec des associations, parce que pour nous, on peut passer par les médias qui peuvent constituer des mécanismes de promotion d'égalité des sexes, incluant la prise de parole, mais également le positionnement valorisant des femmes dans les médias, comme celui des enfants. Étudiants, étudiantes et étudiants dans les rédactions, aller voir, aller fouiner un peu ce qui se passe dedans, avec des thématiques bien précises. Dans le contexte sénégalais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les médias, même si on assiste à une certaine féminisation accrue de la profession, mais si on regarde de plus près, c'est une féminisation à un niveau intermédiaire. Ça est très basique également. Ça veut dire au niveau des postes de responsabilité, il n'y a pratiquement pas de femmes. Je vous ai dit qu'il y a une féminisation accrue de la profession. Mais si vous regardez de plus près, les femmes sont à un niveau très basique ou à un niveau intermédiaire. Les postes de responsabilité sont dévolus aux hommes. La sphère médiatique est une sphère masculine, si vous voulez. Bien sûr, c'est possible, c'est une construction sociale. Donc, il est possible de déconstruire ce qui a été construit. Donc, on peut passer par l'éducation, mais aussi par la formation. Donc, c'est pour cela que l'expérience du CISTI est très importante. Parce qu'au CISTI, ici, en fait, depuis quelques années, on a introduit des modules d'enseignement à tous les niveaux, de la formation initiale au master. Donc, l'objectif disait, c'est de familiariser nos étudiants avec la notion de genre, pardon, mais aussi de réfléchir sur la problématique du genre pour mieux traiter les questions de genre dans les médias. Donc, parce que nous pensons ici au CISTI qu'il faut mettre en place des mécanismes de prise de parole, mais aussi d'égalité des sexes dans les médias à travers nos étudiants qui sont les futurs journalistes. Organiser à des colloques scientifiques sur le genre. Ben, je peux vous citer le colloque genre inégalité religion. Donc on a eu aussi un colloque sur les médias devraient-ils former des citoyennes ou sur trois regards croisés de femmes journalistes de trois générations différentes. Ou encore, vous savez aussi si nous avons ici ce qu'on appelle une revue qui s'appelle les cahiers de l'alternance. Donc le numéro 10 a été consacré la question des femmes au Sénégal. Il y a une vue plurielle des femmes. Nous sommes tous des femmes, mais on est différents. Vous comprenez? Et l'image de la femme véhiculée par les médias, je vais plus parler de la télévision, parce que c'est vraiment là où il y a l'image de la femme, elle est en total, déphasage avec la réalité de la vie plurielle des femmes. Et comme les hommes, ou même plus que les hommes, parce que je ne veux pas que les autres croient que je suis faible parce que je suis une femme, que je n'ai pas d'autorité parce que je suis une femme, ou cette place, je ne la mérite pas. Donc la question, ce n'est pas d'avoir des femmes à des postes de responsabilité, mais c'est d'avoir une masse critique de femmes dans les médias. Ça peut peut-être nous aider à changer l'image de la femme dans les médias. Que c'est le départ qui est important. Il faut donner une égalité des chances aux filles et aux garçons dès le départ. Et continuer à appuyer cette égalité tout au long de leur cursus scolaire. Juste pour dire que l'éducation est la clé. Et mettre les filles et les garçons sur le même pied, qu'ils aient les mêmes chances pour arriver au point d'arriver en même temps, avec les mêmes conditions.